Guten Abend, bonsoir. J'ai un cadeau pour vous, pour commencer. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons faire tous ensemble une grande respiration, mais vraiment. Allez-y. Oh. Et encore une, encore une. Et maintenant, asseyez-vous, s'il vous plaît. Et maintenant, faites... Allez-y. Merci. Ça m'a permis de me connecter à vous. Parce que la première chose, si on veut être bien ensemble, c'est être bien ensemble avec soi-même. Et ce qu'on oublie trop, c'est que nous avons un corps. Et ce corps fait partie de notre vie. Il nous porte, il nous supporte, et il nous dit beaucoup de choses. Et faites déjà plusieurs fois par jour des grandes respirations, suivies d'un grand qu'est-ce que je vais bien, merci mon corps, et vous serez déjà mieux avec vous-même. Et comme je vais vous exposer, être mieux avec soi-même, et aussi être mieux avec les autres. Alors, je me suis posé la question en arrivant ici, quelle est mon intention? Qu'est-ce que je voudrais partager avec vous? Mais c'est tout d'abord mon amour et ma passion pour l'être humain. Et en fait, rien m'a prédestiné à faire ce que je fais aujourd'hui, parce que dans ma première vie professionnelle, j'étais banquier allemand. J'ai appris à décortiquer des bilans, à analyser des bilans, à donner, à octroyer des crédits ou à refuser des crédits. Et en fait, aujourd'hui, donc là, je m'occupais de l'argent. Aujourd'hui, je fais de l'argent. Je m'occupe de ce qui me passionne, comment mieux vivre ensemble, comment mieux travailler ensemble. Et j'ai fait un grand parcours depuis mon entrée dans la vie professionnelle en 75, parce que je suis, en fait, comme Obélix est tombé dans le pot magique, je suis tombé dans le fossé culturel. Alors comment ça s'est passé? Parce que, en fait, en 1980, je suis parti pour cette banque pour laquelle je travaillais à Paris. Et tout d'un coup, j'étais exposé, je ne parlais pas très bien le français, j'étais exposé à des différences auxquelles je ne m'attendais pas. Par exemple, les Français parlent tout le temps de globalement exact. Ah, les Suisses comprennent, hein, parce que exact et global, ça ne va pas ensemble. Mais moi, en tant qu'Allemand, c'était pareil. J'analysais un bilan, pour moi, ça devait vraiment être au pfennig près. Ça devrait être... Et mon collègue français en face, il avait plusieurs millions de différences. Je lui dis, mais c'est pas grave, c'est globalement exact. Les Français parlent aussi de globalement positif. Et ça, c'est le mot magique que j'ai appris en France. Au départ, ça m'a dérangé. Mais in fine, je peux dire que ça m'a accompagné toute ma vie, ce mot magique globalement. Et donc, c'est un peu l'entrée en matière de ce que je voudrais partager avec vous au travers des cultures, aller vers soi-même, aller vers la culture de soi. Et donc, commençons par les relations. Donc, au départ, ma croyance était les relations, si on comprend la différence culturelle, ensuite les relations vont mieux. Comme vous allez voir, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Alors, mon histoire a commencé à changer parce que j'étais banquier dans cette banque à Paris, place de l'Opéra, depuis 6-7 mois. Et tout d'un coup, il y a un Français, collègue français, qui vient me voir en disant « Jochen, tu ne peux pas m'aider parce que là, avec les collègues allemands, je n'y arrive pas, on ne se comprend pas. » Et j'ai dit « Mais comment vous ne comprenez pas parce que tu parles très bien allemand ?» Et il dit « Ce n'est pas une question de langue, c'est une question de culture, je ne sais pas. » Je dis « Mais pourquoi tu viens me voir moi? Je suis allemand comme lui. » Il dit « Non, 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 tu n'es pas allemand. » Je dis « Pourquoi ? Toi, tu es sympa. » Eh bien, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en France, les relations sont différentes qu'en Allemagne. Parce que des premiers 24 ans
années de ma vie, j'ai vécu en Allemagne, et les relations étaient ce que nous apprenons très factuel. Donc, dites à un Français ce que c'est les relations factuelles. Même ici en Romandie, j'ai la même problématique parce qu'on ne distingue pas l'être humain de la chose ou du travail qu'on fait. Maintenant, pour vous expliquer comment, jusqu'où ça peut aller, il y a quelques années, je faisais un discours en Allemagne, une conférence, devant des scientifiques. Et moi, je parle beaucoup avec des métaphores, j'utilise beaucoup d'humour, et donc je voyais que les scientifiques étaient assez sceptiques. Et puis, à la fin de la conférence, j'avais des applaudissements polis, et puis il y a un scientifique qui se lève et dit « Monsieur Breuer, vous avez apparemment beaucoup de succès avec ce que vous dites, mais moi, je ne vous suis pas. Ça marche peut-être dans la pratique, mais jamais en théorie. » Alors, relation factuelle, ça veut dire quoi? Nous avons, en Allemagne, des séquences de travail et des séquences de la vie après. À 5 heures, nous avons un mot magique qui s'appelle Feierabend. Vous avez déjà entendu ce mot? Voilà, soirée de fête. Mais quand je suis allé en France, on ne comprenait pas ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Français m'a dit, mais en fait, à 5 heures, l'allemand mute vers l'être humain. C'est une force de la culture allemande de distinguer le relationnel et donc de travailler de façon très dure et aussi de se disputer de façon très dure, mais factuellement, jusqu'à 5 heures. Ensuite, on se tape sur l'épaule, on va boire une bière ensemble, on s'amuse comme des fous. Et à 8 heures le lendemain, on est en train de se taper dessus à nouveau sur le sujet qui nous oppose. Avec ce conditionnement, parce que la culture est un conditionnement, je pars donc à Paris. Et là, j'arrive à autre chose. Ici, ce n'est pas la compétence ou l'expérience qui compte, c'est beaucoup plus les unités de pouvoir. Par exemple, il y a une quinzaine d'années, un des entrepreneurs ou disons chefs d'entreprise des plus connus était le CEO de la Deutsche Bank qui s'appelait Breuer. Et je peux vous dire, à cette époque-là, quand j'allais dans des soirées ou des cocktails et je me présentais, Jörn Peter Breuer, les gens étaient presque en garde à vous devant moi en me disant « Ah, vous avez des relations avec monsieur Rolf Breuer de la Deutsche Bank ?» Je dis « Oui, oui, c'est mon oncle. » Mais quand je leur disais que non, c'était une blague, « Ah bon ?» La France est donc un pays où il faut avoir du pouvoir pour négocier, par exemple. Donc si vous avez 100 unités de pouvoir et l'autre n'a que 80, mais vous ne négociez pas parce que vous avez le pouvoir. Quand vous venez d'un pays communautaire comme l'Allemagne ou ici en Suisse, c'est incompréhensible, mais c'est ainsi. Maintenant, il y a quand même une façon de remédier à ça, et ça c'est faire de l'esprit. Si vous n'avez pas de pouvoir, la seule façon de travailler avec les Français et d'être bien avec eux, c'est de faire de l'esprit. Je vous donne un exemple. J'étais à Paris chez un client récemment. J'étais déjà en Suisse. Et je demandais, ce monsieur me présentait à la machine à café aux autres. Il dit, voilà, Jochen Breuer, c'est un Allemand qui a vécu à Paris. Et maintenant, il est en Suisse. Et qu'est-ce qu'on vous dit du tac au tac en France? Ah, vous êtes parti avec votre trésor. Je dis, ah oui, bien sûr, j'ai emmené ma femme. Ah, très bien. Et tout de suite, l'ambiance a changé. Donc, là, c'est la complicité qui se crée. La relation se crée par la complicité. En Suisse, c'est le pays du consensus. On va y aller gentiment. Ça joue pour vous? Alors, quand vous venez de France, vous êtes un peu perturbé. Il est pour, contre, qu'est-ce qu'il est? Il est toujours gentil, mais je ne vois pas du tout si... Bon. Alors, de là, maintenant,
je veux vous emmener vers un autre pays, c'est le pays de vous-même. Parce que je croyais que les cultures étaient le principal obstacle, la compréhension de l'autre culturel. Et finalement, j'ai découvert que c'est la culture personnelle qui était le plus important. Et c'est la surprise que je vous ai emmené aujourd'hui, c'est de vous découvrir trois pays, trois couleurs. Et c'est là aussi où vous avez les cartons que vous allez pouvoir utiliser tout de suite. En fait, vous avez le pays bleu. Dans un pays bleu, on aime anticiper, on aime planifier, on aime maîtriser. Dans le pays vert, on aime agir ensemble, c'est la relation qui est importante, la communication sincère et la convivialité. Ensuite, il y a le dernier pays, c'est le pays rouge. Agir rapidement, prendre les risques et obtenir très rapidement des résultats concrets. Vous avez déjà certainement fait votre choix. Dans quel pays, si vous aviez le choix, sachant que vous avez les trois pays en vous, il n'y a personne ici dans la salle qui n'est uniquement dans un pays. Mais si vous avez le choix, quel est le pays que vous, dans lequel vous préfériez vivre, agir, travailler? Et donc, je vous invite maintenant de découvrir vos propres boutons déclencheurs qui vous font agir, qui vous motivent. Donc, je vous donne vraiment 10 secondes. Levez votre carton. On peut peut-être mettre un peu de lumière. Voilà. Et de voir un peu si ici la salle. Là, il y en a trois. Mais très, très peu de rouge. Beaucoup de vert et beaucoup de bleu. Mais bienvenue en Suisse. Parce que devinez, si je fais le même exercice en France, à votre avis, qu'est-ce qui va remonter le plus? Voilà. Eh bien, je voulais vous faire un petit exercice, mais le temps nous manque, malheureusement, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer. Parce que je voulais vous faire faire, vous vous rencontrer, vous retrouver parmi la même couleur et d'échanger sur... Vous êtes parti chez IKEA, vous avez acheté un meuble et maintenant... Vous êtes à la maison où vous allez monter ce meuble. Dans un pays bleu, comment on fait? Dans un pays vert, comment on fait? Et dans un pays rouge. Alors commençons par les bleus. Les bleus vont prendre le carton, délicatement l'ouvrir, sortir le mot d'emploi, lire le mot d'emploi, sortir les vis, compter les vis. Et quand il y a une vis qui manque, allô IKEA? Mais surtout pas commencer à monter le meuble parce qu'on n'a pas les moyens pour monter le meuble. Le rouge. Alors, il monte le carton, clac. Il ouvre rapidement, il sort tout. Le mot d'emploi, je vais le faire moi-même parce que je suis très intelligent et ça va beaucoup plus vite comme ça. Et en 20 minutes, il monte le meuble, sauf que c'est un peu de bancal. Mais si les Français disent « c'est pas grave », c'est globalement OK. Mais en Suisse, ça va pas. En Suisse, ça doit être quand même précis. Il dit, le rouge en Suisse, il dit « bon, IKEA, c'est vraiment plus que c'était. Hein ?» Et donc, réclamation. « Monsieur, regardez dans votre carton. » Ben non, j'ai tout. J'ai déjà jeté le carton. Mais regardez, ben il va regarder, il trouve la vis manquante. Il est un peu vite. Maintenant, les verts, ils sortent avec le carton, mettent dans la voiture, et déjà dans la voiture, qu'est-ce qu'ils font? Allô, les copains, j'ai une caisse de bière, vous venez monter le meuble avec moi? Voilà, ce que je raconte là sur le ton humoristique est un problème. Ou devient un problème, ou il n'est pas un problème quand tout va bien. Mais dès qu'il y a des conflits d'intérêts, dès qu'il y a des tensions, ben on a un problème de travailler ensemble. Rien ne sert d'attendre, on se débrouillera. Ben, ça, c'est le rouge.
Rien ne sert de courir, il faut réfléchir avant d'agir. Ensuite, il y a le verre qui arrive en disant, pourquoi se disputer ? Prenons d'abord un verre. Trois mondes, trois talents, trois façons différentes de travailler ensemble. Le problème, c'est que cette coopération peut devenir chaos-opération. Et là, ça fait naître des virus émotionnels. Et quand l'autre se tombe, en fait, il n'est pas très bien, mais moi je suis content que l'autre tombe. Nous appelons ça rentrer en intelligence protectrice. Alors être bien ensemble avec l'autre, c'est d'abord être bien ensemble avec soi-même. Ce que j'aimerais vous inviter aujourd'hui, c'est de découvrir vos boutons déclencheurs, que ce soit suisse, thaïlandaise, anglaise, américaine, chinoise. Donc nous avons des boutons déclencheurs culturels, et c'est très bien. Il n'y a aucun jugement possible là-dessus, parce qu'une culture fonctionne toujours très bien dans son propre environnement culturel. Sauf que, quand on doit travailler ensemble et sous stress, tout d'un coup, toutes ces différences peuvent devenir des obstacles. Et prendre conscience, qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui me motive, quel est mon talent par rapport à l'autre, vous aidera à être mieux avec l'autre. Parce que l'autre est une chance pour faire la paix avec vous-même. Plus vous êtes conscient de vous-même, mieux vous serez avec l'autre. Et je voudrais vous révéler, pour terminer, la phrase qui m'a accompagné depuis, je crois que c'était en 86, que j'ai entendu cette phrase. Et c'est mon dernier cadeau pour vous. Si vous respectez cette phrase, vous allez voir, ça va changer votre vie. Ce que tu déranges en l'autre n'est pas clair en toi. Pensez toujours, quand vous pointez un doigt sur l'autre, vous pointez trois doigts sur vous-même. Merci beaucoup.